N'empêche qu'il a des petites jambes. N'empêche qu'il a des petites jambes. Sympa comme intro. Salut tout le monde, ici MusicBox. Accompagné de Koala et Bat. Salut les gars. Salut. On va c'est un nain. On va pénétrer dans les égouts, apparemment il y a des choses à faire. Wouhou. C'est un nain. Je crois que c'est la meilleure intro qu'on ait faite là quand même. Il y a des petits gens quand même. C'était pas du tout prémédité en plus, c'est abusé. Je savais pas que t'avais lancé, mais... On sait tous que quand c'est toi qui fais les intros, on se chope 5 dislikes direct. On va crever. Hein? T'as oublié de visiter la flotte ou... Ah non, moi je passe au-dessus. Joli... Joli sous-vêtement, Music. Merci. C'était pas assez suave. Le petit joue à la marelle avec le zombie. Mec, je suis tombé. Premier saut qu'il faut faire, je me viande. Il faut faire quoi? Il faut descendre là en dessous là? Je sais pas. Moi je joue à la Dishonored, je monte sur les tuyaux. Ah merde! Toi aussi, bonne chance. Il est mort, Jim. Tu fais le coup du swag? Swag! J'ai été dishonoré là. Hein. C'est... Pourquoi je vais là moi? Ah! Mais what? Alors attends! Y'a un truc qu'il faut m'expliquer. Tu sautes dans un endroit où y'a un gros torrent d'eau et t'arrive rien. Tu passes à côté. Tu te fais défoncer par le. Tu te fais défoncer par le jet d'eau quoi. C'est n'importe quoi. C'est complètement logique. Je fais quoi? Meurs, infidèle. On est revenu 10 ans en arrière là, c'est pas possible. On se croyait dans GTA 3. Attends, on est sur une île et nos personnages ne savent pas nager. Mais arrête, je suis en train de me noyer quoi. Bah moi je suis en train de mourir à la chaîne. Attendez, j'ai pas l'objectif. Le roi est inondé, il faut qu'on se débarrasse. Il fallait parler aux vieux en fait, non? Il fallait qu'on parle aux vieux cons. Parle de lui comme ça, j'ai fait la vanne. En même temps, il s'y connaît en liquide, hein, il a la courante. Donc bon. Bah les grouilles là. Oui, on veut t'aider, mais qu'est-ce qu'il veut? Donc, mais ah, c'est bah, non, moi, le... servait la grosse vanne rouge alors. Bah oui, mais il fallait activer la quête d'abord, apparemment. C'est logique. Pas la peine de monter, je m'en occupe. Ah, bah, il y en a une autre. C'est pas Jacques Addy Addy quoi, t'as le droit de fermer une vanne. Même si on t'a pas donné la quête, je sais pas. C'est... Ça, non, pas fait. Demande-moi avant. Non mais sérieux quoi. La quête est bloquée jusqu'à ce que... Bah faut faire signe aux vieux hein. La vanne est bloquée jusqu'à ce que quelqu'un te dise de l'ouvrir. C'est... Non je sais pas. Bah si ça se trouve ça fonctionne pareil hein. Si on a toujours pas trouvé de remède contre le cancer, c'est parce que personne n'a dit à personne de le trouver en fait. Faut juste te donner une quête à... Fais gaffe Kamikaze. J'ai tiré avant qu'il meure. T'as de la chance. T'as de la chance. Oui. J'étais là pour te sauver. Jour. Qu'est-ce qu'on ferait sans musique? Oh là. Oh là, qu'est-ce que je fais? T'as plus les noyés. Ça va sentir le boss. Ouais, c'était obligé. Ça c'est les noyés. Oh. Les noyés, c'est, oh. C'est dégueulasse. Laissez-moi faire les mecs. Hop le Tiens, ça me rappelle un truc qui s'appelle Left 4 Dead. J'avais pas encore pris de petit déj ce matin. Je me rappelle de Hitberg un peu. Je sais pas. Le mec il arrive vers toi, il sort de l'eau, il ressemble à un crustacé, il a des ailes partout, il fait. C'est le pingouin de Batman, il s'est noyé dans les égouts. Non, mais c'est un Zoidberg albinos. Mais putain, t'as niqué toute ma blague. Mais what? Quoi? J'ai fait un saut de 2 mètres, je suis mort. T'as pas entendu ma blague quoi là? Non. J'ai dit c'est le pingouin de Batman, il s'est noyé dans les égouts. Tu connais pas le pingouin de Batman? T'as jamais vu le film? Si. Bah je vois pas en quoi il est problématique les noyés. Je vais sauter sur le crâne et ça va très bien. Ah par contre c'est sacrément sale, regarde-moi ça. Est-ce que ça fait des dommages? Non.
Apparemment, on peut nager dans le produit radioactif. Sans trop de dommages. Sous l'eau. Ouais, aussi, ouais. Mince, j'ai oublié de lancer une. Ah merde, je viens de faire tomber mon portable, bravo. Bravo, musique, bravo. Ah, je croyais que t'allais nous accuser. Nous. Nous. Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est à cause de ma couleur de cheveux? Parce que je suis brun, c'est ça? C'est quoi ces trucs? Ah, c'est des zombies, ok. Autant pour moi. Oh, la patate s'est prise, quoi. Ah, mais ils te vomissent dessus, les noyés, voilà ce qu'ils ont. En même temps, ils sont gros, hein. Ils puent, voilà. Dans l'eau. Eh, c'est Noël, hein. Ah, mais dans l'eau, t'as vu ce que j'ai fait dans la flotte? Ah, je vais te laisser te faire taper parce que je suis un connard. Bah voilà du ruban adhésif. Suffit de looter les bons zombies. Trop tard. Connard. Et un assassin là. Vous pouviez pas l'ouvrir la porte qui était là? Ramasser l'argent, les mecs. Bah, quand moi je suis à la terre, je m'occupe plus de me ramasser moi que. Ramasse ces petits morceaux, les morceaux de viande, tu pourras les scotcher. Enfin, les détiens en fait. La porte, on peut pas l'ouvrir. Ah, y'a un noyer. Comme, pourquoi on retrouve des canettes dans les égouts? Et des canettes pleines, hein, au passage. Oh! Ah oh, putain oh, il... ça. Ouais mais le truc c'est que maintenant il te fait plus un tiers de ta vie, il te fait la moitié de ta vie direct. Mais coupe les bras le mec. Ah bah, c'est pratique ça. Pourquoi je peux pas prendre les trucs? Ah non, ça on a déjà pris, ils ont vachement bien leur mode en fait. Et c'est quoi le truc là, la lame là? Mais c'est moi qui l'ai balancé. C'est pour ça qu'il s'est fait électrocuter, je pense. Si tu balances une arme qui est électrique, je pense que ça te fait directement l'effet. Bah t'as une chance que ça l'électrocute, quoi. Non, je crois que ça le fait automatiquement. Ou alors j'ai vraiment non, eu de la chatte. Non, ça ne l'a pas fait tout à l'heure. T'as un pourcentage de chance à chaque fois. Eh mais ils sont grands les égouts, en fait. On avait dit pas sur le paillasson, quoi, là. Il me semble qu'il y a, y a des trucs cachés ici pour les... des crânes et tout ça, tu sais. Ah! Bon bah je suis mort, génial. Mais bon bah lui aussi. J'aurais dû utiliser un kit de soins. Personne peut me soigner, y'a personne à de kit, non tant pis. Je suis toujours allé crever hein. C'est bien le cas de le dire. Maybe there's something in here. Ici j'ai du soin. Ah, j'ai entendu un tir. C'est moi. Eh, ça fait gros blackie avec un gros flingue. Est-ce qu'en mieux, il faut qu'un dégât. On peut donner les coups de crosse? Non. Non, tu fais un coup de pied. Non. Nope. Ah bah tiens. Là, je prends mon arme là. Bat. Wow. On va se calmer là. C'est pas ça. Y'a un manche à balai, les gars, il fait 30 de dommage. Ah, t'hésites, hein. Ah, ouais. T'es sérieux? Y'a rien. Y'a un tuyau aussi qu'on peut ramasser. Ah, l'établi. Ça, par contre, c'est pratique. Ouais. Les armes commencent à se péter sérieusement. On va réparer ma hache. Tiens, je peux me refaire une torche. Et un mode clou. Vas-y, fais le mode torche dans les égouts. C'est vrai que ça pourrait avoir son utilité.
Seulement on avait un truc genre une lampe torche. Bon, en même temps il fait relativement quand même 13 jours dans les... C'est vrai. Dans les égouts là, pour avoir... Regarde, t'as des petites lumières comme ça, ça éclaire, mais genre comme s'il y avait le soleil juste au-dessus quoi. Faut quand même peut-être aller vérifier dans les coins, je pense qu'il y a peut-être des trucs cachés quelque part. Comme dans les douches à l'armée. Regarde, il y a des trucs au fond, il y a un putain de coffre ici. Ma chatte fait de maison. Oh, c'est de la merde. Ouais, non, elle a pas l'air d'être si pourrie que ça. Bah, tout dépend des stats après, mais c'est vrai que c'est moche. Hein. Ça, c'est fail. J'ai planté mage dans une bombe. Bravo. Merde. Non, j'ai pas eu le temps de te soigner. Oh moche. Putain, j'ai pas eu le temps non plus. Ah, qu'est-ce qu'on fait sans se battre? Ça sert à quoi d'aller là? Passage. C'est juste pour faire chier, pour te faire troll. Après le bruitage. Toi t'aimes bien sauter à pieds joints. Ah ouais. Mais c'est quoi cette arme quoi là? Une étoile du matin? Une étoile de café? Alors tu l'as compensé ou quoi là? C'est ton gros B qui te manque. Hein. Ouais c'est ça. J'ai même pas suivi, on doit faire quoi dans la quête là? Fallait parler à José et puis après bah voilà. C'est Joseph, pas José. C'est... Ta version est mieux quand même. Hein. Regarde comment il est zombie là, regarde la posture, il y a juste un bras. Je lui coupe. Je crois que le but de la moi je propose de tirer sur les trucs là. J'ai pas de munitions moi surtout. J'aimerais balance, bien. Balance, mais... balance. Balance man, cadence man. Ah. What? Quoi, je suis mort? Ah bah, du coup, on n'a pas non, l'assassin. L'assassin, il a rien pris. Quoi. Attendez, vous laissez faire. Ah, on gagne beaucoup d'argent en plus. Ah, y'en a un autre. Une chance en plus. Ah, vous aussi. Mais il pique tellement ce. Allez, coupe les loups de là. Il lui arrive quoi là? C'est moche. C'est moche, c'est moche, sérieux. Quoi? Bah là, le mec qui flotte, là, le ragdoll est moche. Ah. Les mecs, je me fais attaquer par... Ah, c'est bon. Je le voyais pas. Par quoi? Par un ennemi invisible que j'ai viens de voir. Mais je comprends pas pourquoi l'eau est verte. Non, mais elle a des reflets comme en... Ah, bah ça y est, on arrive au bout, là. Ah, bref. Il y a des néons verts dans l'eau. On arrive à une mairie. D'accord, les mecs. Ok. Pareil, c'est les quartiers riches de la ville. Mais je crois qu'on vient de changer de chapitre, là, non? Chapitre 7. Sur ouais. Invitation uniquement, effectivement. En fait, on aurait dû terminer d'autres quêtes avant, quoi. Oui, mais on peut revenir. On va y retourner. Il y a des gens. Bah, on doit pouvoir faire un voyage rapide, non? Oui, t'inquiète. On va le faire. Il y a des gens. Ah, c'est des policiers? Il a un flingue. Ah. C'est-à-dire que quand même, il y a deux flics qui surveillent l'entrée des égouts. Hein. Ah, voilà. Ouais, est-ce qu'on peut prendre un voyage rapide dans le coin là? Ça, on peut. Non, ouais, on est carrément dans. C'est comme dans The Walking Dead, on arrive dans le village, tu sais. Ouais. Le petit village calme où il y a eu aucun zombie, rien. Let's take a look. Y a un voyage rapide là, puis là c'est le maire. Josh. Alcool dans le bureau du maire. What the hell? What the hell? C'est chaque fois qu'on passe à côté de lui. What the hell? Attendez, je le sens, je reviens. Oh
répond. suffit de rigoler, les gars. Ah mais tiens, il file une... Ah oui, il file une quête normale. Mais attendez, on lui parle d'abord et après on retourne... Il met sa coiffure. Mais il veut pas le refaire. How the hell did you get inside here? You're here to find food and medicine. Well, I'm sorry, but that's impossible. Our supplies are limited and we need everything we have. What the hell? That's all I have to say to you for now. C'est quoi ce poignet qu'il a? And I had things to do. Il est rasé sur la tête, mais il a juste une petite mèche de merde. Il a un poignet hypertrophié quand même, hein. Ah, oh, je suis trop bonne. Tu la classe. On n'a pas fait au commissariat encore. Putain, mais c'est Black, mais qu'est-ce qu'ils sont vulgaires? Le ghetto. And they're just playing for their own team. And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promised to help. Oh, fuck the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call. La biatch, mais comme elle se permet de parler. Jen, are you there? Yes, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, what are you planning to do? Look, if we're gonna survive, we need to get the hell out of here. No one here is gonna help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. Hmm. Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I would get those people food and medicine, and I will, with or without your help. We're staying with the plan, or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, doll. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not gonna make it either. No one's going to make it if we don't help them. The girl is right. What do you want to do, Jin? It's up to you. I want to supply everyone. The resort, the church, the police station. The motherfuckers at the police station? Kidding me? We'll supply everyone by the police station. Those assholes can fend for themselves. Then we'll find the voice from the radio. On sent le mec, il y a des problèmes avec la justice, quoi. Motherfucker. Motherfucker. On sent bien le Black qui aime pas les keufs, quoi. Sérieux. Mais tu sais, c'est les... Only a matter of time before the poor riot and break down the gates. Blowing the bridges was the only thing to do. It was the only way to keep out the infection. Yes, they can't get in, but we can't get out. Mais c'est dangereux. I'm sure the man knows what he's doing. Mais c'est quoi ces poignets qu'il a? Donc plus gros que ses mains. Il y a une dizaine de... C'est comme le maire, hein, ses poignets sont plus gros que ses mains, ils sont plus gros que le bracelet de sa montre. C'est comme tes poignets, t'as des poignets de ta fiole alors que t'as un gros musclé. What the hell? What the hell? What the hell? Et regarde les poignets du maire. Regarde avec la montre elle glitch, à travers, quoi. Attends, fais voir. Genre, sa main va tomber sous la pression du bracelet. C'est vrai en plus. La peau elle traverse la montre. Bon. Il faut aller si on arrêtait de faire de la merde là, ils sont partis de lui. Il faut pas la Josh. Venez. Ouais, c'est où? Bah, c'est là. Le mec avec le chapeau. Il est à Josh. J'ai entendu parler au maire. Je sais où vous pouvez trouver ce que vous avez besoin. Not far from here is a market. The problem is it was overrun by one of the rascal gangs. They'll kill you as quick as look at you. But I know a way through the sewers. This what? It's not an easy trick. But you don't look the type that's easily discouraged. Interested? Non, pas tellement, non. sinon, on attaque de front. Yes. Mais attends, c'est quoi ce jeu? C'est juste chercher des... The market are barricaded, except for the one that very few know about. Head downstairs and talk to the guard at the door.
That old drunk will let anyone through if you offer him a little favor. It's the only way. Il faut lui chercher de l'alcool. Non mais c'est quoi ce jeu, il faut chercher de la bouffe pour tout le monde là. Mais surtout de l'alcool. Hein. Les... Après les gens ils vomissent. Les mecs ils cherchent pas à s'enfuir de l'île, tu sais, ils veulent juste avoir de la bouffe partout. Champagne. Give me champagne. Give me some champagne. I'm not supposed to let anybody buy, but I could turn a blind eye if you do something. Il fait quoi lui? Je pourrais fermer les yeux si vous me faites quelque chose. Bon ben on va laisser la blague faire ça. Trouvez l'alcool et apportez-le aux gardes. Bon, tu t'en occupes, hein, hein, Bat. On te laisse faire, hein. N'importe quoi. Vas-y, j'ai plein d'alcool sur moi. D'alcool à brûler. C'est plus fort. Il dit que je sois properly lubricated. Un bat. Oui. C'est sûr qu'alcool, ça va souvent avec lubrifiant. Alors... Il fallait qu'on aille au voyage rapide, hein, les enfants. Ça aurait été bien d'aller faire le voyage rapide, en fait. Bah, mais je suis pas sûr qu'il y en ait. Bah, je sais pas... Il y en a un dans le bureau du maire. Ah, d'accord. Vous voulez qu'on refasse toutes les quêtes qu'on n'a pas encore faites? Ouais, non, elle est validée, quoi. Il y a un appel à la radio tout à l'heure. Je suis d'accord. C'est pas qu'on aille faire toutes les quêtes, mais au moins celles qu'on n'a pas faites, là, qu'on n'a pas validées, puisque ça va nous poser problème, après, on va en avoir trop. Hein. On peut pas le faire. Merde. Ah, la loose. Ah, bon, bah, une carte, on peut pas s'en servir pour se téléporter, c'est quoi le jeu? C'est pas réaliste. Eh, hey, j'ai trouvé un balcon. Eh, les mecs, vous voulez voir dehors? Non, on s'en fout. Oh, j'arrive. Tu veux la vue de dehors? T'es où? Comment perdre son temps inutilement, quoi? Oh, un balcon! Non, je vais lancer un appât. T'es où? Vous êtes passé tout en haut? Non, même pas. Depuis chez le maire? Bon, je suis à côté du maire. Ouais. Y'a un mec qui regarde là. Un bout de viande. Et des zombies dehors? Ça marche pas. Ouais, mais c'est une scène. Je suis sûr si tu leur tires dessus. On peut pas descendre de toute façon, non? Si, ça marche. Et comment ça se battre? Non. Allez, on se bouge. What's in here? T'avais pas de dégâts, t'as abusé, hein. Ah, parce que bon, on n'a pas que ça à foutre non plus. Oui, c'est vrai, on est parti. Heureusement, j'ai un Desert Eagle, en tirant dessus, je fais 4 fois moins de dégâts qu'avec un petit marteau. Putain, je sais plus par où c'est là. Ah si, c'est par là. Ah, fabrication israélienne. On t'attend. On t'attend. Moyo. Ça avait l'air d'être violent là. On n'a pas le droit de ressortir les tripes en DRL. Je sais pas ce qu'il y avait de si drôle, mais ça avait l'air violent. C'est ma prof de microbio qui dit moyo au lieu de noyau en fait. C'est tout. Mais ça se dit aussi le moyeu. Non, ça a rien à voir, c'est le moyo. Alors le moyo de la cellule, là... Voilà. Il part en voyage et... Voilà. Mais bon, le moyeu n'a rien à voir avec un noyau aussi. C'est tout à fait autre chose. Bah oui, c'est pour ça. Moyo. Non mais c'est comme le sorti ça, je pense, qui a fait rire Baptiste. Pourquoi tu montes à l'étage? Bah il y a une échelle, je veux bien voir ce qu'il y a en haut. Ouais, j'avoue. Y'a un zombie. Il pousse de l'échelle et tu meurs. Là y'a une carte d'identification. C'est tout. Ah là y'a une porte. Du fric. Et... Eh, y'a un crâne. Ah, t'as trouvé le crâne. Il se passe quoi? Ça sert à quoi? Tu l'as pris? Ah bah je respawn vers vous, je suis... Bah non, y'a pas d'action impossible.
pas comment prendre. Ah mais il y a des trucs à faire peut-être avec ça, je sais plus. Je check que... le wiki. Il faut qu'on se renseigne parce qu'il y a, pour avoir la genre la pire arme du jeu, il faut avoir tous les crânes et tout et. Crâne récupéré. A pris la tête. A perdu la tête. Et donc il y a quoi là-haut? Bah il y a des crânes. Il y a une pile de crânes. Avec une grosse flèche en dessous comme ça. Tes collants sont déchirés. Deux secondes, je vais voir. J'ai nettoyé la voie, hein. Normalement il n'y a plus rien. Elle est où la pile de crâne? Dans la pièce, sur le côté. Ah ouais. Putain, ils sont beaucoup. Bat. Attends, je bois un coup. Au pire, recule, hein, ils peuvent pas se baisser. Ouais, mais je peux pas reculer à. Je peux pas reculer à l'infini non plus. La manche à balai. Oh, il le mérite, hein. Attends. Rush pas. Je voulais lui lancer mon arme, mais bon. Tu vois les choses sous cet angle. Va boire un coup, là. Ah bon, on rentre dans un supermarché maintenant. Bon, je sors la cape. Là, en fait, non, ils sont tous plus zombifiés, les mecs. Il y a un marteau, là. Fermez la valve de vapeur. Oh, il y a des zombies avant. De toute façon, j'ai ramené une bonbonne. What? Putain, mais... arrêtez de les taper. Ils ont bouffé quoi? Coup de pied. Allez, laisse-moi le laisser celui-là. Quelqu'un peut péter la bonbonne qu'il y a au fond là-bas. Putain. Les gars, je vous dis, vous me le laissez. Et... mais vous foutez quoi? Bah, on tue un zombie. Faites la bonbonne au fond. Enfin, s'ils sont encore à côté de la bonbonne. Bah, je sais pas, j'en ai lancé une et je l'ai. J'ai peut-être fait une réaction en chaîne. Putain, tu l'as balancé toutes tes armes dessus ou quoi? Bah, à peu près. Oh. Voilà. Le secours moyen. Il y a des trucs. Nina qui avait une petite faim. Elle est établie. Et les objets. Oh, mais ils sont violents! J'ai un mode. Enfin, c'est quoi? Le mode barbelé. Oh! C'est vrai? Ouais. Enfin. Crochetage niveau 2 ici. Il y a du fil et des clous et tout ici. Crochetage niveau 2 ici. Où ça? Ah, marteau lourd de dévastation. Matraque lourde de dévastation, pardon. Violette. Oh, c'est pour moi ça. Bah non. Non, quoi? C'est pas pour toi, parce que c'est moi qui ai ouvert le coffre. C'est toi le spécialiste d'armes contondantes ici, hein? Mais on a pas le droit de rigoler non plus. On lui rigole jamais avec les armes. Moi j'ai une matraque avec des barbelés au bout. D'ailleurs, il faut que je regarde qu'est-ce qui me manque pour faire des trucs de barbelés. En fait, il faut que juste du barbelé. T'as réussi à en trouver du barbelé? Bah j'en ai depuis le début du jeu en fait, dans les drops sur la plage. D'accord. Bon, de toute façon je vais sortir la cave vu que là il y aura des bandits. Il y a une pièce d'armes, il y a des points américains ici. Vicieux énorme.
crâne au grand. Ah, bah voilà. Faut peut-être aller, le poser dans les égouts après, du coup. Peut-être, il va faire un tour de talent. C'est où? Bah, il l'a eu, il y a eu un crâne orange quelque part là dans le coin, dans le caddie. Oui, je l'ai pris. Mais il faudra que tu le poses au niveau des crânes. Mais il y en a qu'un, c'est pas comme les. Non, c'est comme les enregistrements. Non, mais en fait, je crois qu'il faut que tu récupères tous les crânes et que tu ailles les disposer à l'endroit où il y a les flèches. Justement dans les égouts là-bas. Et c'est là que tu recevras le. Il y a le truc spécial. Bon. Mais ça fait un sacré paquet de temps que je vais passer mon level. Que les bandits soient armés de Daka. On a bien avancé. Ah tiens. Mais il n'y aura pas de bandits là-dedans, il y a des zombies partout. Il y a un truc à faire là, ouais. On va peut-être faire le tour. Wow. Who the fuck? What? Il est disparu. Fais gaffe, ils ont des armes les mecs, je pense. Ah bon, ils se battent pas pieds et poings nus. Bah non. Mais comment un pistolet peut être difforme? Je sais pas. Mais des chinas tout ça. Putain, il me faut des munitions. Les armes à feu font beaucoup plus mal sur les bandits que sur les zombies. J'en profite pour prendre les objets moi et la caisse. Oh, tu se barres avec la caisse quoi. Oh. Bien joué. Heureusement que je suis là quoi. Il a arraché la tête en le tirant dessus. Bon bah je vais sortir le pompe hein. J'ai regardé quel est le pistolet le plus stylé. Et le truc avec les armes à feu, c'est que t'es obligé de les améliorer, sinon ils font vraiment pas beaucoup de dégâts. Ok, il a fermé la porte. Je pense qu'on va passer sur le côté. Attends, on fouille vite fait là, peut-être. La grande place, ouais. Ouais. T'es obligé qu'il y ait des trucs. Ah merde, j'ai pas le niveau pour le pistolet. Ah merde, j'ai augmenté un niveau, moi. Alors, ouais. Je crois que c'est le supermarché avec le plus d'alcool. Ah ouais? Je viens de trouver du jus de citron dans un réservoir à glace. Non mais sérieux, viens voir là où je suis là. Il y a une caisse juste pour l'alcool. Au rayon Ifi, il y a des canettes. Ah, ces employés vraiment. Ouais. Ils font pas le ménage. J'aurais bien un mode de classe caché. Viens voir le rayon alcool quoi, merde. Oh putain. C'est les voyous, ils sont venus là juste pour l'alcool, c'est. Ouais, allez, c'est la fin du monde, tu vas mettre une grosse mine et tout. Attends, il y a même une caisse juste pour ça. Regarde, les clients ils achetaient, il y a la caisse spéciale et tout. Et là, tu pouvais le boire. Les voyous ils ont pillé ça pas pour la bouffe, ils voulaient juste se mettre une grosse mine avant de mourir en fait. Mais oui. Bon, allez, on continue là. Et beaucoup de plantes vertes. Ça sert à rien ce qu'on fait. On fait de l'alcool, les mecs. Ah, fusil à pompe. Quelqu'un le veut, parce que le mien du coup, il fait plus mal. Toujours bien d'en avoir un, tu vois. Allez, je le là, il est. Alors, je viens de péter une porte. Ah. Putain, il m'a foutu les boules, ce foiré. C'est quoi, un voyou toujours ou? Non, c'était un zombie, mais il était trop bien caché, le bâtard. Enfin, il faisait semblant de dormir quoi. Qu'est-ce que tu fais quoi là? Je sais pas. Moi j'avance sans vous là. Bah, attends musique, attendez un petit peu. Attendez-nous. On arrive. Attendez-moi. J'ai un ami. Lui, tu ramènes sa bonbonne jusque. T'aimes ça? Hey, y'a un porte-manteau, tu veux te battre avec? Qu'est-ce que t'as foutu? Pété glitch.
Oh putain, y'a un... Oh, y'a un berserk, y'a un berserker. Sortez-vous. Oh. Eh, hey, merci la bonbonne quand même. Oh, j'ai mis un seul coup de hache et... Oh, il donne un radin. C'est un radin, quoi. Non, on trouve plus d'argent dans les poubelles, quoi. Y'a une machette rude ici, pour celui qui veut. Moi, je la veux bien. Par contre, Tu vois, je pensais pas m'en servir si tôt de ma bonbonne, hein. Mais pourtant... Comptez la ramener au poste de secours ou quoi? Et sérieux, j'aime ta façon d'ouvrir. Oui, ah, je peux faire ça, ici. Moi. Quoi cet accent? Pierre. Mouravnem. Le billet sans russe. Ah non, mais faut me laisser les ouvrir les portes, c'est bien plus drôle. Rascals. Canaille. Canaille. Oh. T'as vu ça? Je l'ai vu qu'à moitié, mais par contre je l'ai entendu. Oh, un voyou masqué. Putain, mais ils sont combien ici? C'est le refaire. Putain, mais je tranchais des têtes. C'est abusé. Trancher des têtes. Il y a une carabine automatique qui ressemble à un Galil. Ah, attends, je vais aller voir ça. Putain, je suis en train de crever, les gars. Il a une AK, lui. Je suis mort. Ah, il avait un nom spécial, lui. Recule, je prendrai ses munitions d'AK. Bah, tu me les donneras au pire, tu me diras. Bon, j'arrive pas trop loin. Dégueulasse. Est-ce que vous avez ramassé un niveau 3 là? Eh, attends, y'a une mitrailleuse ici. Oui, c'est celle que Baptiste veut. Y'a un crochetage niveau 3 là. J'ai besoin de munitions. Carabine. Là, oh, carabine à tir sauvage. À tir unique sauvage. On doit bien voir ça. Bah attends, regarde laquelle tu veux entre les deux et moi j'en prends une des deux quoi. Au pire, je te file la mienne si celle-là est moins puissante. Est-ce que quelqu'un a ramassé des munitions? Eh, attends, ça ressemble à un M16 avec un viseur. Ouais, c'est vrai. Attends, je vais voir ça. Moyenne. Ouais, je prends le M16. Tu prends pas la carabine là? Ah si, le truc qu'il y a dans la boîte, je veux dire. Et l'autre, tu le prends pas? Carabine automatique? Bah, j'ai plus de place. Prends-le, toi. Et est-ce que quoi, toi, Alex, t'as ramassé des munitions de... Bon, regarde ton inventaire. De toute façon, moi, je suis full depuis un moment, hein, de tout. Ah, mais regarde ton inventaire de tes munitions, je veux dire. Ah, j'ai 50, 60, 0. Ouais, bah, file-moi tes munitions de d'AK, s'il te plaît. Ouais, on fait comment? Tu descends. T'en bas. Et tout en bas, y a rien, donc on peut pas. Donc bah ramasse un fusil d'assaut, parce que ça me ferait mal au cœur que t'aies des cartouches pour rien. Du coup, faut qu'on aille. Oula, ah oui, là, juste en face. Faut juste foutre un pack de jus de fruits dans le truc et partir avec le camion, c'est ça? Je conduis. Ça, ça a l'air les opérations Black Ops, quoi. Ça. Oh, oh là là, oh, c'est réaliste la corde. Heureusement qu'on dirait une nouille chinoise, la corde. Attends, le mec quand même, il a survécu aux zombies et tout, il a failli mourir parce qu'il a failli tomber à cause d'une caisse de jus de fruits, quoi. Load it, we're covering you.
C'est chaud comme ce qui leur arrive. Chargez-le, on vous couvre. Vous aussi, vous avez des bugs graphiques là? Ouais. C'est moche, ils ont bouffé des champis. C'est Far Cry en fait, c'est pas une Island. Avec une petite musique de Jimi Hendrix derrière. Oui. Punaise, il faudrait presque qu'on s'arrête ici pour cet épisode, je vais faire un cliffhanger. Ah bah non, on est reparti. Ouais, vas-y. Ah bah on va s'arrêter là. Mais pourquoi, tu sais, c'est on vous couvre et puis ils rentrent dans les égouts comme des bâtards. On vous couvre, salut. Eh ben... Bon, on va laisser nos petits amis là et puis on reprend tout de suite après. Oui. Ouais. Salut tout le monde, à la prochaine.